Voilà la fin. Je ne le sais plus très bien. Dans le monde biologique, les autres animaux se lèvent tôt, et après une toilette minutieuse, ils sortent directement à la recherche de nourriture, le seul élément vital à leur existence. L'homme, qui est un animal comme les autres, mais qui est doté d'une dextérité manuelle extrêmement élaborée, se lève le matin, et après une timide toilette, il sort à la recherche de l'argent. L'argent n'est pas comestible, mais c'est clair, l'homme est tellement à l'aise dans son existence que le mieux est de mettre du piquant dans sa vie, pas vrai ? Thank you.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau dont on va vous réveiller. Un sujet aujourd'hui qu'on n'évoque pas souvent dans cette émission puisque nous allons parler de danse et plus particulièrement de danse contemporaine si l'on peut dire, avec deux spectacles qui sont montés par la compagnie Art Attack, deux spectacles qui vont être joués en Colombie. Alors c'est vrai que l'événement est assez important pour être signalé. On aura donc quatre invités sur le plateau. Je vous présenterai les deux autres en deuxième partie. On va commencer avec Fabio Prieto Bonilla. C'est bon, je ne me suis pas trompé. Non. Et Rudolf Pignon, c'est plus simple, en face. Alors, vous êtes, vous, donc, le chorégraphe, on va le dire. Vous êtes aussi danseur de ce spectacle qu'on appelle Transit. Alors, c'est un spectacle mêlant danse et aussi un petit peu de comédien. Et vous, donc, Rudolf, vous participez donc à cette fête sur scène, donc autour de ce spectacle Transit. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce spectacle avant qu'on en voie un extrait ? Transit, c'est le voyage, c'est la rencontre de personnages dans la salle d'attente à un aéroport. Moi, on s'inspire un peu de nos vécus. Moi, je me suis inspiré un peu de mon départ du pays, la raison pour laquelle j'ai quitté le pays aussi. Alors, je l'exprime dans cette pièce parce qu'il y a un texte. En fait, ça s'écoule entre le texte et le théâtre, et la danse, oui, bien sûr, le théâtre. Et alors, voilà, c'est un peu les motivations pour lesquelles j'ai quitté le pays, et aussi, aussi on s'inspire un peu sur l'attente juste avant prendre l'avion pour venir en France. En gros, c'est ça. Et mon personnage, c'est un artiste itinérant qui rencontre un personnage que c'est un pâtissier industriel, en fait. Voilà. Deux personnes qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir à la base, mais qui vont, pour le moment, en tout cas, danser pour le Rudolf. Spectacle. Bon. C'est un spectacle qui est né donc, dans la tête de Fabio, mais vous, comment vous l'avez perçu ce spectacle? Et c'est vrai que c'est pas vraiment un spectacle de danse, c'est pas vraiment une pièce de théâtre, c'est un peu tout en même temps. J'imagine que pour vous, ça a dû être un travail assez important d'adaptation en tout cas. Oui, mais ça a été bon, c'est quand même c'est un domaine difficile, mais dans l'ensemble c'était relativement facile parce que nous on vient du conservatoire, donc on était élèves ensemble, donc on a eu un peu la même envie. C'est plus une collaboration où on se disait que le théâtre et la danse, c'est deux disciplines qu'on pratique. On avait envie de fusionner les deux et de creuser notre recherche dans un domaine qui serait ni théâtre ni danse, mais qui serait vraiment une symbiose des deux. Donc ça, c'est assez difficile à mettre en place. Pour l'instant, dans le spectacle, on a des séquences qui sont très danses et des séquences qui sont complètement théâtre. Donc on a du dialogue, des personnages, donc il y a des parties où c'est vraiment, ça pourrait être une pièce de théâtre, il y a des parties, c'est vraiment de la danse contemporaine. Et après, il y a un mélange de ça également, où on essaye d'élaborer, ni théâtre ni danse, c'est difficile à expliquer. Et puis aussi, généralement, on nous dit il faut être soit théâtre, soit danse. Enfin, il faut choisir dans quelle case on appartient. Bon, c'est là, quel est l'intérêt de la pièce, voilà, justement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de case. Le but, c'est vraiment de fusionner les deux. Alors, avant qu'on continue, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu aussi ce projet que vous avez? Alors, vous allez jouer pendant un long moment en Colombie. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une belle aventure. Alors, il y en a qui vont découvrir la Colombie, peut-être, d'autres qui vont moins la découvrir. Donc, comment ça vous a pris, finalement, de tisser, en fait, des liens entre la Colombie et ici? Parce qu'il y a un véritable échange, hein. C'est pas juste histoire de se payer des vacances pendant un mois en Colombie. Il y a un vrai échange culturel qui est prévu avec les Colombiens. Oui, oui, en fait, moi, de toute façon, je suis Colombien, je viens de Bogota, c'est ma ville. J'ai fait l'école de théâtre dans l'école la plus représentative du pays, par rapport à la formation des comédiens. Et j'ai maintenu toujours le contact avec cette école. Cette école possède deux théâtres importants, un théâtre national et un petit théâtre, une salle plus petite. Et moi, j'ai toujours maintenu mes contacts avec mes profs, le Théâtre Libre, que c'est là-bas où on va se représenter. Et voilà, quand on a créé la compagnie, il fallait chercher des endroits pour se produire, et le Théâtre Libre nous a ouvert les portes. Et on va se produire du 1er juillet au 17. C'est jeudi, vendredi et samedi. C'est trois week-ends à Théâtre Libre, dans la petite salle. En fait, c'est une salle avec 300 places. C'est quand même bien. Ouais, ouais. Et après, par ailleurs, on a trouvé une tournée dans le pays avec l'Alliance française. Voilà. On va tourner dans cinq villes du pays.
Ça, c'est important pour nous. Et finalement, on danse aussi dans un festival de danse contemporaine à Cali. C'est une ville du pays. Moi, je ne connais pas trop la géographie de la Colombie. Bogota, oui, mais bon, après Cali, tout voilà, ça, c'est ça devient trop compliqué. En fait, Cali, c'est plutôt la ville de la danse en Colombie. Ah oui, donc c'est quand même important aussi d'aller. Ça sera donc du 1er au 17 juillet. Mais pour nous, niçois et gens de la région, on peut vous voir aussi quand même. Oui, deux dates au Francis Gall, c'est le 29 et 30 septembre, c'est ça. Et on a une date aussi le 29 octobre au Calbon Voyage à la Black Box. La Black Box, rien que ça. Ouais. c'est un endroit très sympa, ça. Oui. Un colombiano y un francés han decidido unirse para formar una compañía de danza contemporánea llamada Art Attack, que mezcla el movimiento con el lenguaje. La danza contemporánea se une con el teatro y la música para crear pensamientos frágiles. Esta obra exprime la dictadura de la antigua Unión Soviética y es transmitida a través de un poeta, porque es la represión artística que se vivía en el momento de la antigua Unión Soviética. Donde la acción dramática se centra en el movimiento, en el lenguaje del cuerpo. Es la mezcla de estas dos disciplinas, la danza y el teatro. Nosotros nos conocimos en el conservatorio, en teatro, en la sección de teatro. Entonces yo traje como esta experiencia de la danza contemporánea y la danza clásica, y él recibía clases de danza contemporánea en el conservatorio porque estábamos obligados a recibir clases de danza. Entonces mezclamos estas dos disciplinas y la obra de todos modos tiene un aspecto extraño, porque de todos modos es muy raro ver dos bailarines que hablan verdaderamente como en el sentido artístico de la danza, ¿no? O sea, hablamos de cosas que pueden ser filosóficas en la obra, desde el punto de vista de los dos personajes.